Attendu, île sauvage apparaît. Alors, est-ce que du coup je le prononce bien? Bon, pendant ça, je fais les doublages. Que ces mots restent gravés à tout jamais dans la roche, que le faible n'ait plus à craindre le fort, que la veuve et l'orphelin ne connaissent plus la faim, et que la justice règne sur ces terres. Merci à Hammurabi, roi de Babylone, pour ces mots sages, très sages. On y est, tous sur le pont, dépêchez-vous. Oui, vous avez pas intérêt à me faire perdre ma mise. On est reparti pour des doublages loupés. Oyez, braves gens, je me réjouis de votre présence en cette formidable occasion. Le sauveur de la nouvelle Babylone se trouve-t-il parmi nous? Découvrez sans plus attendre les sentinelles. Tous avec des regards ahuris. Ah oui, du coup, on peut repérer à l'avance qui seront nos partenaires. Donc on a à droite. Et on avait Jacqueline aussi. On va y revoir que bien d'entre vous s'en sortiront cette fois-ci. Qu'on leur fixe leur coffre de Gédéon. Le Pokédex. Bienvenue à Babylone. Bon, on va pas refaire aussi toutes les comment on appelle ça, toutes les cutscenes. On fait juste la cinématique, mais tout ce qui est après explication, on va essayer de le raccourcir rapidement. Donc, on l'a vu sur PS4, mais j'ai jamais posté des VOD. Trois, ils sont trois. Nous êtes revenus des profondeurs abyssales du Tartare. Loué soit Jupiter. Oui, laissez passer de nouvelles sentinelles. Le
Non. Mec, il... Alors, c'est parti pour déplacer la caméra, on va faire le tuto le plus rapidement possible. Déplacer la caméra, oui. On va commencer par ça. Mais ça, c'est bien. Déplacer la caméra au gauche-droite, oui, je suis d'accord avec moi-même. Confirmer les réglages de caméra, oui, je suis d'accord. Donc, on peut toujours pas courir? Écoute, je vais laisser les doublages japonais. Reviens dans le bug, petit con. Dis poliment, mon camarade. En vrai, est-ce que j'ai envie de lui parler? En vrai, d'accord, ok. Comment je reviens sur le vocal sans aussi réduire le jeu? C'est si je me démute. Pouette pouette, mais ça ne démute pas lui, tu sais. Non, voilà. Bonsoir. Ah si, ça démute. Bonjour Manuel. Le jeu crash, je dois refaire le tutoriel. Ah. Ça commence fort, hein. Ouais, bah j'ai le droit de taper le truc ou pas? Merci. Le jeu a lancé la cinématique et la crash, pas le tutoriel, faut plus. J'espère que ça sauvegarde. Ce serait dommage si ça sauvegarde pas. Ah bah je vais refaire le tutoriel là, devine-le. Ah! Mais tu le connais par cœur maintenant. Oui, 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 c'est bon. Speedrun. Du coup, c'est quoi tes armes? Bah, moi j'ai deux épées. Enfin, j'ai quatre. Oui, enfin, deux épées du coup. Enfin, trois au total. Ouais, mais t'es coup normal. Ah oui! J'ai oublié que c'était la QTE où on pouvait mourir. Enfin, on pouvait. On devait la refaire. Le RB. Hop. Oui, donc du coup, j'ai X. Pour la attaque légère, Y pour attaque. Oui, Y. Pour attaque lourde. C'est deux épées. Et donc, ça, c'est une épée que j'ai en main. Et après. Alors, attends, parce que du coup, faut que je. Et après, deux épées en effet sur le coffre de Gédéon. Ouais, mais ton attaque lourde, c'est une épée? Bah, c'est mon attaque que j'ai dans la main. Enfin, c'est mon arme que j'ai dans la main. Je sais pas, tes tanks. Oui, bah du coup, c'est la même arme. J'en ai qu'une dans la main. Et après, le LTRT. Ah, bah d'accord. Que fais-tu? Vas-y, explique-nous. Bah, j'ai une épée sur les attaques. L'attaque légère. Ouais. Un gros marteau sur les attaques lourdes. Oh. Aïe. Tu es un tank en même temps. Ouais, j'aime bien le marteau. Tu es un peu Reinhardt de d'Overwatch. Ouais. J'aime bien le marteau. J'aime bien cette place. Je vais encore devoir te protéger tes fesses pendant que tu essaies d'utiliser ton marteau, quoi. Exactement, t'as tout compris, parce que ça charge en plus. Ça, je te rattrape, je speedrun le tutoriel là. J'ai réussi à me faire toucher. J'aurais jamais de médaille platine de ma vie. Rampierre, sérieux? T'as la platine toi? Ouais, regarde. Tu vois le combat contre le chevalier là? Hop, c'est bon, c'est fini. Ah oui, le balance âme vers un ennemi, ça marche ou ça marche pas ce truc? Toi aussi t'as le droit au balance âme? Non, bah non. Ouais. Ça c'est une capacité propre à ma classe. Ah bah non, je peux me suspendre à des objets quoi. Ah. Je croyais que c'était pas ma classe. Après, sur les ennemis, peut-être que c'est ta classe, mais. Je croyais que je savais faire quelque chose de nouveau, moi. Et d'utile. Alors, on se prend des coups de marteau? Je prends l'univers. 1, 2, 3. Mais ça me fait un temps combat. Platine, let's go. T'es sérieux? J'ai le droit à un follow. Un follow alors que je me fais défoncer le cul. Je viens de le finir, moi je te platine ton combat. Qui est-ce qui a eu pitié de moi? Mais je crois en fait que j'ai pris la pire des classes, c'est ça?
Ah, mais il y a une petite attente entre la première lumière et la seconde. Alors attendez, le follow. Le follow vient de Kurina. Et merci beaucoup. Merci de... Comment on appelle ça, de m'encourager dans mes rampières. Et merci beaucoup. Je peux escape la cinématique que j'ai déjà vue. Et bienvenue pour l'ascension la plus laborieuse au monde de la Babylon's Fall. Tentative sans battle pass, sans pognon rajouté. Peut-être. Sauf si on craque et on rajoute du pognon. Sauf si on rage quit aussi. LT, lancer le cristal, attraper, lancer, oui. Faut se remettre dans le bain. La démo PS4, on s'était peut-être mieux débrouillé. Je pense qu'il y a de la latence sur mon écran. La latence sur mes contrôles. La latence dans mon cerveau aussi. C'était quoi le marché de Babylone? On peut passer ou pas? Moi, je pensais à plus ce qui se passait. Oh merde. J'ai pensé à ma attaque. C'est là où on rencontre le gamin qui nous sert de la dinde au restaurant. Ah oui, mais lui on l'avait perfecté. Lui on avait fait un platine pur. On nous apprend à utiliser notre coffre de Gideon. Et le gars du géant, fuyez! Oh, c'est bon, ça ira. Désolé pour ceux qui l'ont pas vu. Regardez ma VOD PS4. Ok, c'est bon. Il est mort. Mais d'où? À quoi ça sert que j'ai une esquive si j'esquive jamais? Platine pure, c'est bon. Ah oui, il fallait que je prenne ces trucs là. Que je balance le truc là. Que je me rapproche en dashant. Et que je tape. Oui, bah alors pour l'optique du jeu. Oui, je pense qu'il est optimisé. Après, en. Graphiquement, voilà, il y a deux écoles, il y a ceux qui aiment et il y a ceux qui aiment pas, globalement. Parce que évidemment, il y a un filtre cache-misère de peinture. Et les graphismes sont pas oufissimes. Mais en vrai. Qui joue pour les graphismes de nos jours? Moi. Tout ce qu'on veut, c'est la fluidité. Comment ça toi? C'est la go qui tourne du ciel. Ah. À quoi? La go qui tourne du ciel. La gothique. Non, la go. Non. Ah bah. Sors tes crocs et laisse éclater ta colère majestueuse. Grave. Grave. Je sais qu'il n'y a pas crash. D'où il lance son hache? Ah, mais il a jamais eu le temps de lancer son hache sur la démo PS4, en vrai. C'est quoi la barre rouge qui est en dessous? Bah, c'est ton endurance, c'est celle qui te permet de faire les esquives et les coups de poing de dynamis. Ah. Et je me fais péter le cul en boucle. Ouais, je vois ça, ouais. Tout va bien. Et toi, t'as pas cette barre rouge? Si. Ah, ouais. Ouais, j'ai juste tapé, hein, tu sais. Ouais. Alors là, si on a platine, je comprends pas. Je pense qu'on a pierre, voire même pire, on a rang caca, et ben on a rang platine. Je pense qu'il est ouais, offert celui-là. Ouais, avec les attaques, ça sera rang platine. Avec spécial. Oui, on réapprend du coup le nom du méchant. On a gagné, du coup il y a la princesse qui va arriver, elle va dire « Ah, vous êtes tous des sacs à merde !» Elle va ouvrir la porte et bisous bisous, c'est ça? J'ai pas lu la cinématique, je compte sur toi pour me refaire un résumé. Ah tiens, tu peux la regarder.
Donc c'est elle qui va nous donner les quêtes, c'est la princesse Pouet-Pouet. Dame Sophia. Bon, elle est pas du tout princesse. Ah, Babylon. J'ai fait ça à Paris, je vais le dire. Yoshi, Kohei Tani Lenaxi, Anno Dekabuts no Mukro Kaisuste. Ah oui, du coup, le stream est en normal et en 30 fps. Donc vous attendez pas non plus à de la fluidité hors du commun. Mais normalement, c'est pas censé être totalement dégueulasse. Qu'un objet reçu. Saturnus Gate, Kaimon, Ataraski Sentinel, Mukaireo. Tout d'un coup. Je sais pas ce que tu regardes, mais... Ça a des bons souvenirs de toi qui jouais à la démo. Ah. Ah, doublage. Attention. Chut. Le grand ziggourat de Babylonie trônait autrefois au-dessus de l'ancien monde, s'élevant jusqu'aux cieux et projetant son ombre à travers le vaste empire. Mais la Babylonie est tombée il y a de cela 1000 ans. Et aujourd'hui, l'empire domitinien clame de sa main de fer Babylone, son ancienne capitale. Afin d'assurer leur légitimité au pouvoir, les Domitiniens parcoururent les ruines de Ziggurat à la recherche de reliques datant de l'époque babylonienne. Cependant, ces ruines sont férocement gardées par les Galus, de terrifiants monstres qui s'attaquent à tous ceux qui oseraient perturber ce qu'il reste de la grande Ziggurat. C'est ainsi qu'a débuté, à la Ziggurat de Babylone, la guerre faisant rage encore aujourd'hui entre l'Empire et les Galus. On a un peu des pierres de tombe. Babylon's Fall. C'est pas épique? Quoi, j'ai dit, je te dirais à chaque fois. C'est quoi le titre du jeu? Babylon's Fall. Ouais. Ah oui, tu fais le kéké comment du coup? Je pense de la même manière que moi. La même façon, ouais. Même tu montes ton cul. Voilà. Mais en vrai, il doit y avoir sûrement après des postures à acheter. Ou dans le Battle Pass. Des postures de victoire. Pour montrer ton cul encore plus. encore plus en évidence. Un booty shake de la victoire. Quartier général de l'armée sentinelle. Sylvie, Minato wa dou datta? Alors, tu penses quoi de... Tu penses qu'on pourrait tenter les bateaux amarrés au quai? Non, malheureusement, même une souris ne parviendrait pas à se faufiler à bord avec une sécurité aussi stricte. Et puis ça ne sert à rien de toute façon, j'ai entendu dire que ces coffres nous rempliraient de poison si jamais on essayait de s'enfuir. Ah, c'est ça le rat de l'Empire! C'est pas ça, lire, tu me lis pour moi. Et toi, du côté de la porte de Saturne? Oh, rien non plus! On aurait dû s'en douter. Déjà une semaine, 7 jours entiers, c'est devant une épouse. Et de pauvres oiseaux en cage! Et voilà celle qui en détient les clés. Sophia. Bonjour Sophia. J'espère que t'as bien retenu l'agencement de la table. Hein. On va le retrouver 40 fois. Ça va, c'est la donne qui m'a l'air. Et vu que vous avez l'air de passer votre temps à geindre, voilà quelque chose qui vous tiendra occupé. Des galus ont été aperçus dans l'enceinte civile. Trouvez-les et débarrassez-vous-en. Même pas un petit coup de main des vaillants chevaliers impériaux? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur de vous salir votre jolie petite armure?
Silence, Cornio, je ne te laisserai pas insulter le chevalier de la sorte. Ah, ça suffit, Kairos. Les sentinelles ont été assignées à l'extermination des Galus par décret de l'Empereur. J'en ai rien à t'appeler. Comptez pas sur moi pour aller une fois de plus au Caspipe à votre place. Ah, moi qui pensais que vous n'étiez pas trop demeuré pour de simples barbares. Elle m'apprendra. J'ai mal. Je traduis, hein, c'est de l'interprétation. Et oui, pas de cinématique, des sortes de cutscenes. Mais en vrai, moi ça me gêne pas. Hein. J'espère que tu as compris la leçon. Allez-y maintenant. Passez d'abord voir Ishum dans son atelier, avant d'aller vous occuper des galus. C'est l'ambiance, comment on appelle ça, tableau. Bon, parfois, c'est vrai que c'est... Ça fait pleurer des yeux, quoi. Mais bon. Toi en particulier, de simples galus ne devraient pas poser de problème à quelqu'un qui a terrassé un géant. Une de connexion quotidienne, oui. Je reviendrai tous les jours. Non, je déconne. Bon, on va... Faut qu'ils y croient, hein, parce qu'on y est tous les jours. faut être motivé. Donc du coup on va voir Ishum là-bas, donc je résume hein, parce que j'ai déjà vu la démo, on va pas tout faire non plus. Donc ici Ishum, qui est du coup le vieux qui était sur le bateau avec nous, avec les qui nous a posé les coffres de Gédéon dans le fion, qui va s'occuper normalement d'améliorer notre coffre de Gédéon, nos coffres de Gédéon. Mais en vrai, je l'ai pas vu dans la démo, donc du coup pour le moment dans la démo il servait à rien. Ensuite on aura du coup Émile de Nir. Non, c'est du coup Pygmalion accompagné de sa marionnette. Je sais plus comment elle s'appelle, la marionnette. Qui sont les vendeurs du jeu, hein, en quelque sorte. Eux, c'est dommage de les skipper parce qu'ils ont une personnalité, quoi. C'est bien, c'est qu'il se permet d'avoir une marionnette qui insulte les clients à sa place, et ça, c'est beau. Et après... Bah après, non, je pense que du coup, il y a... Le jeu, il va... Il y a quand même Square derrière, hein, donc il va essayer de survivre. Il va peut-être faire un... Comment on appelle ça? Il va peut-être... Beaucoup trop en nombre, oui. Non, mais après, à voir. Peut-être qu'il y a des gens, en vrai, qui vont dépenser moult argent et ils seront contents. Mais ils vont peut-être aussi backdasher sur le Battle Pass. Ils vont peut-être backdasher sur certains points, à voir. Sachant qu'ils ont déjà prévu... Ouais, enfin, comment on appelle ça? Se raviser. Hein. Et Tiki Maminea, elle existait elle? Il y a des gens partout. Hein. Boisson froide, pain chaud, un bon lit, une bonne nuit. Je cherchais un endroit pour séjourner. Rien de mieux que le dauphin dansant, au bout de la rue à droite. Oh désolé, j'avais pas vu que c'était vous. Vous êtes l'une des nouvelles sentinelles arrivées hier, c'est bien ça? Vous savez quoi? Je passais dans le coin lors de votre cérémonie de bienvenue. Normalement, on ne m'arrête pas pour ce genre de choses. Mais une élégante sentinelle a plus qu'attiré mon attention si vous voyez de qui je veux parler. Oh, où sont mes manières? Je m'appelle Maminea. Ma famille gère l'auberge dont je parlais, le dauphin dansant. Vous devriez aller y faire un tour. C'est pas ça par obligation, hein. Promis. Si ça vous dérange pas, je voulais juste vous faire part d'une pensée que j'ai eue en voyant la cérémonie. Elle me soufflait. Maminea, tu as devant toi la sentinelle qui sauvera la nouvelle Babylone. Mais on parle de moi ou... On parle d'une des deux autres personnes. L'étau, je sais plus à quoi il sert, à part être un barbe de nul. Le troubadour d'exception. Je crois que ça sert à rien. Ouais.
Bon, déjà, au moins, voilà, Babylon's Fall va durer au moins un mois, vu qu'ils ont prévu dans un mois déjà une extension, enfin, de l'ajout de contenu. Donc, déjà, voilà. Dans un mois, on devrait encore en entendre parler. Après, je ne sais pas. Une jeune recrue, Kulra. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait déjà? Styliste. Oui. Ah oui, elle peut me refaire en entier, parce que grâce au coffre de Gédéon, le coffre manipule les cellules du corps et on peut se refaire un look avec. Donc voilà, si jamais on s'est loupé là-dessus, et aussi sur le nom de la sentinelle, on peut tout refaire. Moi j'aime bien ça à voir, je crois. Donc Jacqueline qui donne les quêtes, enfin elle du coup, ce qui permet d'aller à une quête plutôt. Et elle, c'est elle qui donne les quêtes et les connexions quotidiennes, etc. Tous les trucs nuls. C'est ça. Les nouvelles missions, ouais, regarde ça. Les missions. Ce sont des tâches prédéterminées pouvant être accomplies pour obtenir des primes. Les primes acquises en accomplissant des missions expireront au bout d'un certain temps. Alors il faut les retirer au plus vite, oui. Donc voilà, il y a moult missions, les missions quotidiennes, hebdomadaires, saisonnières, festivals et garages. Et Jacqueline, du coup, elle dit quoi déjà? Oh bonjour, oui! C'est Logrina, je sers sous les ordres de Dame Sophia, en tant que responsable des quêtes. Des quêtes? Manœuvres offensives, missions de reconnaissance, sauvetage, collecte de matériaux, un large panel de tâches qui vous sera assigné à vous, les sentinelles. Blablabla, blou, le prestige, effectuer des quêtes, c'est génial. Bravo. Il y aura les quêtes du coup secondaires, les quêtes histoire. Au début, je crois que c'est quasiment que de l'histoire. Hein. Donc voilà, donc il y a l'histoire de partie rapide, j'ai pas tout compris quand j'ai fait la démo aussi, parce que c'est un sort de matchmaking rapide. Mais t'as pas le choix de la mission, et je trouve ça bizarre quand même. Non, tu vas être... c'est au cas où, peut-être, si tu veux farmer, mais bon, si tu veux farmer, non, tu choisis aussi ta mission, non? Quête de groupe. Alors ça, c'est toujours pas disponible, mais je sais pas ce que c'est non plus. Ben, on peut faire un groupe, du coup, on peut inviter des gens. Voilà, donc ça, c'est une feature que j'ai pas encore utilisée dans la démo, parce que j'étais seul tout. Et là, je crois qu'il faut que j'invite... Coco. Liste d'amis. Demande d'amis, rechercher liste d'amis. Aucun ami. Ah. Il faut faire une demande d'amis dans le jeu. Aucune demande d'amis. Rechercher. Veuillez entrer un nom de compte. Et c'est comme ça, on est obligé d'être amis dans le jeu avant d'être... On peut pas faire une invite Steam. Genre ça existe pas. Si je fais Shift Tab. Ah bah oui, j'ai plus l'overlay. Donc du coup, je peux pas faire Shift Tab. Tout va bien. Ça m'énerve pas. On a les exploits, le fameux pass de combat. Battle Pass. Les succès, les missions, les objets, les reliques, blablabla. Les messages privés. Ouais. Est-ce que tu es au QG? QG. Non, t'es même pas au QG. Ça se trouve, on n'est même pas sur le même serveur parce que toi, t'es en polonais. Est-ce que du coup, tu peux me rajouter dans la liste d'amis? Hein, liste d'amis. Ah, sinon, on a un code de QG qui est mon numéro de téléphone, apparemment. Mais du coup, je sais pas à quoi ça sert. Entrée code de QG. Créer un QG privé. Ah, on peut créer un QG privé. Vous cliquerez votre QG actuel. Oui. C'est quoi ton compte? Attends, je fais un QG privé. Comme ça, on jouera jamais avec des gens. Quand les quêtes seront trop dures, et bah du coup, on sera tout seul. Ah voilà, du coup, il y a zéro spam de gens qui se promènent dans le QG. Ah oui, mais le problème, voilà, c'est que si je fais moi un QG privé, il faut que je cache la capture. Si les gens, il faut pas qu'ils voient ça. Bon, après, ils vont me rejoindre et j'accepterai pas leur invitation, mais c'est pas grave. Bon, allez. C'est quoi ton numéro de téléphone, vas-y. Mon numéro de téléphone est, attention, le 491. C'est faux, c'est exactement faux.
931-64. Bon, il sera privé, mais pas trop au final. Ok, peut-être que je peux te, t'accepter ou te refuser. Non, désolant, non. Ah. Une fois que je suis là, hein. Bien que t'es là, t'es là. Le jour au QG. Envoyer une demande d'amis. Nouvelle demande d'amis reçue. Demande d'amis. C'est bon, ton pseudo n'est pas un secret. Mission. Liste d'amis. Mission quotidienne. Demande d'amis. Aucune demande d'amis. Comment ? Et si je viens de la recevoir. Quel est ce jeu ? Liste d'amis. Aucun ami non plus. Rechercher. Veuillez entrer à un autre compte. Liste des joueurs au QG. Normalement, tu devrais être seul tout. Oui, voilà. Filtré, validé. C'est-à-dire quoi, validé ? Consulter profil, consulter l'équipement, envoyer une demande d'amis aussi. Je t'envoie une autre demande d'amis. Et alors là. Oui. Ah, ouais, accepté. Ah, mais peut-être c'était le temps qu'elle arrive. Ouais. Vous savez, le pigeon voyageur, via internet, c'est compliqué. Donc, ok. Et du coup, là, on a constitué un groupe ou pas du tout? Il n'y a pas d'histoire de groupe, c'est que quand on fait l'émission. Pourquoi ça clignote? Je l'ai accepté, ça demande d'amis. Ah, du coup, ça a été rajouté dans la liste des amis. Maintenant, je peux consulter ton équipement, rejoindre ton QG, ajouter aux favoris. Je te rajoute aux favoris. En plus d'être mon ami, tu es mon ami favori. Quand tu joues... Ah, attends, c'est le seul. Ça devient très compliqué. Hein. Très bien. Donc, bon, on va dire que ce sera que en mission hein, qu'on fasse ça. On sort dans une mission. Es-tu prêt? Voilà. T'es habillé comme un paysan. Alors. Exactement comme moi en fait. Sauf que t'as un turban. Donc. Oui, Mili Morin. Mais... 4... Ah, mais toi t'as 4 épées? Bah, non, je t'ai dit, j'ai 2 épées plus. Oui, mais non, tu peux laisser changer les armes qui sont derrière aussi. Oui. Bah d'ailleurs, quand je vais les changer, je mettrai tout sauf le 7. Et t'as 4 épées. Et tu vas arrêter de me... Oui, j'ai 4 épées. T'as un problème? Bah moi, j'ai 2 marteaux. vos quêtes, quête de groupe. Ah, est-ce que du coup, quête de groupe, maintenant, il y a quelque chose? Non, ça, j'ai jamais compris ce que c'était. Bon, ok, on s'en fout. Tour de Babylone, c'est parti pour l'enceinte civile. Protéger les civils innocents. Liste des enchantements, ça non plus, j'ai jamais compris ce que c'était. Je pense que c'est et dans le curfew. Je sais pas, non, je pense pas. Enfin, je vais voir. Affiché caché, basculer les infos, valider. Accepter la quête, oui. De toute façon, tant que je dis que je suis pas prêt, c'est ok. Ah, en préparation. Donc, si, je suppose que oui. Faudra... Enfin, j'en sais rien. Recherche de joueurs. Ah, je suppose que toi, si tu la lances aussi, j'en sais rien. Vous savez, c'est pas clair. C'est-à-dire, mais t'as pas joué avec quelqu'un déjà, non? Si, mais du coup, moi, quand je faisais ça, j'attendais. Et puis du coup, les gens, ils me jouent. Là, je peux aller dans quête de groupe et sélectionner ta quête. Ah, c'est ça qu'ils appellent quête de groupe. C'est ça, ils appellent quête de groupe. Mmh, c'est ça qu'ils appellent quête de groupe. Et là, il faut que tu mettes que tu es prêt. Comment, moi, je crois prêt? Oh, waouh. Et je joue sur Steam, toi aussi. Non. Mmh. Oui, parce que du coup, bon, on voit que les comment on appelle ça, que les trucs mal foutus de ce jeu. Mais en vrai, ils ont un crossplay à la sortie du jeu. Alors que Fall Guys, on l'a attendu pendant 70 ans. Toutes tes épées, là. Ah, t'as vu toutes mes épées. Toi, t'as un bouclier, une 2 marteaux et une épée. Je charge mon remarque. Ah oui, parce que l'attaque lourde, c'est une épée aussi. D'accord. Et tu peux rester appuyé sur tes attaques. Ah oui, c'est vrai que tu peux mettre une... Oui, oui, j'avais complètement oublié que j'avais du coup dissocié à un moment donné. Oui, je suis bait. Oui, donc j'ai 4 épées. Ouais. Ouais, c'est parti. Faut speedrunner. Ça fait l'endurance. Faut speedrunner. Faut en courir, non, c'est bien. Ok. C'est étrangement calme, vous trouvez pas? Purée, cet endroit est tellement déprimant. Alors je crois que du coup le loot il est dupliqué, c'est-à-dire que du coup t'as le tien, voilà. C'est ça.
Mais ils sont résistants les petits cons. Les petits cons. Du coup, je suppose que c'est à scale par rapport au nombre de gens dans le groupe. Ouais, je pense, ouais. Parce qu'en effet, ils étaient pas aussi résistants. Enfin, je crois pas. S'ils vont tous sur toi, c'est ok, hein. Moi ça me va. Voyons voir si vous avez bien écouté ces explications. On aura chacun de sa note, alors attention. Je peux les soulever. Oui, c'est vrai que j'utilise pas le LTRT, hein. Faut que je me remette en mode poulpe. J'ai oublié cette partie là. Alors, fais-moi le malin. Fais-moi le malin. Ils ont pas fait de malin, c'est bon. Couchez. Couchez. Ah, super, j'ai le décalage en stream de mes actions. Et j'ai rempierre parce que. C'est pas possible en fait. Bah, rien mieux. Je pense que c'est en fonction peut-être de la difficulté du combat aussi. Ouais, c'est ça, je peux pas rien mieux pour l'instant, je pense. Bien, tant qu'on n'a pas d'armes plus puissantes, on peut. Ah, j'étais tout seul à péter le mur. Peut-être ouais, en train de cueillir des fleurs. Du coup, tu peux changer d'arme? Ah non, tu peux pas changer d'arme. Tu peux... dans une mission, non. Mais c'est bête parce que tu peux pas tester des armes dans la mission. Bah oui, parce que du coup, moi j'avais fait l'erreur de mettre un sceptre et j'étais dégoûté. Ouais, je voulais voir ce que c'était le bouclier, moi. Ah. Bah tu l'as, non? Bah c'est mon attaque AE là. Plus il disait tout le temps d'ailleurs le A et le E. Ou... J'étais parti là-bas et je crois qu'il y avait rien, on est d'accord. Toi t'es parti en mission, enfin en combat, j'arrive. Allez. Compte sur toi pour prendre l'aggro. Fais le tank, hein, n'oublie pas. Ouais, mais faut que j'esquive quand même. Alors n'oublie pas que tu peux utiliser les LTRT pendant que tu fais les X, hein. Les LTRT? Bah Les AE, quoi. Les AE. Alors du coup, faut peut-être que tu les bind. C'est-à-dire non, sur AE, c'est bon, c'est bon. T'arrives à appuyer sur A et E en même temps? Bah en même temps, de toute façon, tu utilises pas en même temps. Bah si. Moi, j'utilise le LTRT en même temps que j'utilise le X. C'est quoi le X? C'est l'attaque, bah, l'attaque légère, oui. Oui, mais attaque normale, attaque légère, c'est ma souris, moi. Et oui. A et E, c'est l'attaque forte. Oui, mais du coup, tu peux utiliser A, E et souris. Oui, ça va, ça va, ça va, les comptes sont assez. Ah, tu vas pas dire ça quand on va affronter le boss, hein. Mais par contre, je vise pas. C'est vrai que. Moi, j'utilise pas non plus la visée parce que c'est l'enfer en fait. Là, la visée a été vraiment mal foutue. Ouais. Je suis par terre. Que ce soit à ta santé, hein, n'oublie pas les potions. Donc, n'hésite pas à utiliser en fait les gâchettes à AEE. Parce qu'en fait, du coup, ta jauge rouge, elle se régénère à chaque coup normal. C'est-à-dire à chaque X et Y. Ouais. Tu vas régénérer ta jauge rouge. Donc, faut bien que tu comment on appelle ça? Tu intervertis chacun, quoi. Enfin, tu alternes. Ouais, mais le truc, c'est que je vois pas le bouclier, vraiment, s'il me protège ou s'il me protège pas. C'est un peu flou, encore. Écoute, t'as dit que tu voulais les classes compliquées. Ça me semble pas très... On peut sauter en dashant. Quoi? En dashant? En courant, tu veux dire? Oui. C'est au début, j'ai eu. Tu maintiens en l'air quand tu attaques, c'est incroyable. Oui, c'est cool ça. Y'a que moi qui ai récupéré ça du coup. Récupéré quoi? Ouais, du coup, si tu le vois pas, c'est que je suppose que oui. Je sais pas, j'ai récupéré des trucs, mais.
Non, il y a un truc qui s'est mis moi en bas à gauche, qui est une bombe. Ah oui, d'accord. Y'a qui c'est? Bah, c'est Pygmalion. Je connais même pas sa voix quoi. Alors par contre il y a du rollback hein. De temps en temps les monstres ils se TP. Allez hop ça dégage. Bon les pires c'est les mecs au bouclier quoi. Pas pour toi. C'est un marteau moi. T'as perce au bouclier. Bah visiblement ouais ça marche plutôt bien. Voilà, elle est en train de nous expliquer qu'il y a des qu'il y a des interrupteurs. Il est en train de nous expliquer ce que c'est un interrupteur. Ah, ça augmente déjà. Narodo, wakatta. Switch o sagashite miru wa. Karate akyo. Vas-y, on est. Pas trop fort. On a eu quoi? On a eu quoi comme médaille? Or. Oh, il est or moi. En vrai, j'ai eu 100 points plus que toi, hein, donc les scores sont pas très très différents. Hein. Oh là, mais ces obstacles sont tous les mêmes. Incroyable. Aïe. Le coup de marteau à chaque coup. Il met 10 ans à arriver, mais une fois qu'il arrive. En fait, tu t'en sors contre les 50 mecs qui t'entourent. Moi j'étais en train de me battre contre une seule personne, alors... c'est compliqué. Boom, 10 150. Platine, et toi? Ouais, pareil. Ah, t'as pas eu de platine pure. Toi, je crois. Incroyable. Une constante. Juste pour le sang, quoi. Y'a rien ici. Ça doit être un bonus newbie. Ouais. C'est quoi ça? C'est intéressant. C'est quoi ça? Oh. Oh. Faut casser les pots? Faut pas casser les pots. Pas Zelda. On voit rien. Ah, c'est ouvert. Faut casser les pots? Faut toujours pas casser les pots. C'est fou, hein? Y'a un trou ici. Oh. Attendez, là c'était une énigme. Ah non, pas du tout. Appel de la déco. C'est quoi ça? En F. Ah, un coffre. Voilà, quelle motivation de voir un coffre. D'habitude, on est hypé quoi. Encore un coffre. Waouh. Oh, j'ai eu un relique. UC. Ouh, c'est Spider-Man. Ouh! Incroyable. Mais oui, alors du coup, normalement, je suis censé pouvoir grappiner les ennemis. Mais ça, j'ai jamais réussi à faire du B sur un ennemi. Alors peut-être qu'il faut que je le log d'abord. Et me rapprocher rapidement. Ça a pas l'air Jojo là-bas. Parti. Bonjour. Oh. Oula. Mais qui êtes-vous? Des galus. Voilà. Là, je fonce dans le tas comme un dératé. Il a loupé aucune de ses attaques, c'est génial. Plutôt j'en ai esquivé aucune. Oh mais genre je me suis pris l'attaque.
Est-ce que je vais me prendre tous les coups dans la gueule? Apparemment oui. Peut-être tu te prends zéro coup, j'ai l'impression que tu fais des dégâts monstrueux. Ou alors tu joues mieux que moi. Oh là là, c'est esquive. Incroyable. Ah, c'est esquive là. Alors attendez, regardez, je cible et je fais B. Mais B c'est de la merde en boîte en fait, B. Et c'est quoi le LT? LT. L. Ah, utiliser artefact. Ah oui, c'est la bombe qui est ralentie. Je me souviens. Ce passage là. Moi je vais avoir zéro. On se fait un peu chier pour seulement 7500 de score. Ah, j'ai eu 6300. Ah. Oh! On a rangé nos armes en même temps. C'est beau. Et tu, on va faire la même pose de victoire, attention, regardez. Hop. Sauf que toi tu as un gros marteau. C'est sur la taille qui compte. Ah oui, et puis après, oh, du coup, je peux t'aimer. Oh. Merde, j'ai pas cliqué sur j'aime, j'ai raté. Ah! Tu m'as pas donné mon j'aime? Je pensais que ça faisait la souris. Je peux pas le faire à la souris. En plus, je tiens à dire que tout est affiché en QWERTY, alors je joue en AZERTY, mais bon. On va dire c'est normal. J'arrive à jouer en AZERTY sur les déplacements. Il faut faire quoi? Oh rien, tu peux regarder tes magnifiques items et puis te barrer. Ah, oh, j'ai eu un arc. Oh, trop bien. Moi non. J'avais eu un arc lors de la démo, un arc de glace, j'étais content. Mais il faut faire quoi? Comment valider et se barrer. Faudrait s'appuyer. Sûr. Accepter. Vous deux aussi, vous avez été capturés alors que vous combattiez l'Empire. Il nous est tous arrivé la même chose, on dirait. Je ne me rappelle même plus combien de ces foutus chevaliers j'ai pu trancher. Je suis à peu près sûr qu'ils en ont oublié quelques-uns dans le rapport de mon jugement. Il fait le kéké, hein, avec ses ceintures sur la... pour serrer ses bras. Nous voilà maintenant à la botte de cet empire que nous méprisons tous autant. J'aimerais encore préférer qu'il m'exécute. Ça aurait rendu les choses beaucoup plus simples. Et voilà, la dinde. Ne dites pas cela, monsieur. Jupiter ne nous accorde qu'une seule et unique chance. Le gamin que Jacqueline a sauvé. Vous devriez vous. Hein? Vous ne devriez pas la gâcher bêtement, oui, la vie. Bordel de mince. La prononciation à 23h du matin. 23h du matin! Du soir. Le garçon de la dernière fois au marché, n'est-ce pas con, vos blessures? Je vais m'y remercier, oui, bisous. Alors, on passe plus vite. Oui, c'est une sacrée surprise. Licus, il s'appelle Licus, bravo à lui. On sera des nouvelles cinématiques, on doublera. Mais gamin, qu'est-ce que tu as au cou? Ah oui, la maladie. Aïe. La mort bleue. Le soleil bleu. La lumière en malade. Très bien. Oui, il faut détruire le soleil. Facile. Mais voilà, pour se débarrasser des coffres de Gédéon, il faut atteindre le soleil bleu et l'éteindre. Mais
les équipements, j'aurai du mal. On l'aperçoit seulement un seul moment, son visage. Mais pas totalement. Et maintenant, on va affronter des Iggy. Et voilà, c'est une cinématique là. Pourquoi les gens se plaignent? Coco est de retour d'une quête. Oh, bonjour Coco. Bonjour. Une de mission disponible. Ah ouais, j'avoue, j'ai passé parce que du coup. Bah, je regarde sur ton écran. Et tu vois où elles sont les primes de mission? C'est 1. Ah! Mais tu peux rien retirer. Bah, c'est ça, c'est Gold Battle Pass, on s'en fout. Ah oui, mais après, c'est peut-être auprès de Jacqueline. Jacqueline mais qui a les missions. C'était ses armes, non? Ça me paraît étrange quand même que ça permet de penser à un rachat de tir. Je dirais, est-ce qu'il n'y aurait pas un mannequin sur lequel on pourrait s'entraîner? Ouais. Je rentre donner des armes. voilà. En vrai, je crois pas. C'est trop bizarre. Genre, du coup, j'ai équipé de nouvelles armes là, mais. Je sais pas ce que c'est, quoi. Il pleut des galus. Ce sont des envahisseurs menaçant cette ville. Au cas où tu ne l'aurais pas compris, en tant que sentinelle, il est de ton devoir de t'en débarrasser. Alors, du coup, on a les quêtes quotidiennes et on a fait du coup l'amour du partage. Envoyer un gemme. Ah voilà, tu l'as pas fait donc du coup tu l'as pas eu. Non, je l'ai pas fait du coup. Je voulais le faire à la souris et on m'a dit non. On m'a dit non. C'est un peu triste de devoir rejoindre Jacqueline à chaque coup que tu veux aller Nick Kate. Merde. Start. Oui, voilà. Donc moi je crois que j'ai droppé 0 arme. Ah, j'ai droppé un bouclier par exemple, par contre. Un buckle. Un bouclier aérien. Attends. Comment tu veux tes quêtes? Ah mais t'avais aidé que ça en quête toi. Moi j'avais que ça. Mais attends, bon, comment ça j'ai des armes bien plus fortes que toi? Ah, c'est de la chatte. Ouais, je vois ça. Bon, voilà. Récupération d'esprit, esprit. Gestion des PV, fortification. Augmentation de la récupération d'esprit. Ah bah on dirait pas. Garde. Ah mais t'as des puissants. Je vais prendre ça. Les jambières, après du coup j'ai des grandes clés d'assaut. La récupération d'esprit elle diminue surtout. Le corps j'ai rien. La récupération d'esprit. La tête j'ai rien. Alors en vrai je dirais que c'est la récupération d'esprit, c'est du coup que, à quelle vitesse tu récupères ta jauge rouge. T'as le rouge l'esprit? Je dirais ça, ouais. Okay. On va tenter le bouclier sur un RT par exemple. Bah, je t'avoue, je comprends pas les RTL, s'ils ont des effets spéciaux pour le bouclier par exemple. Après, il y a des trucs aussi qui se maintiennent. Ça va te changer ton attaque. Écoute, je teste des trucs. Teste un peu, voilà. Tu testes ouais, des trucs. Je vais changer d'arme, je verrai bien. Tu verras. Au début, les trois permissions, j'ai pu les faire en solo. Normalement, on devrait pouvoir s'en sortir. Après, c'est quand on va faire la. Le boss que là, par contre, on va peut-être s'apercevoir qu'il va falloir farmer, déjà. Ouais, je lance la prochaine Kate. Ouais, ouais. Après, on peut acheter chez Pygmalion des sets d'armure. Enfin, des sets, oui, des sets d'équipement plutôt. J'ai mis tout ce que j'avais eu, hein, je t'avoue pour l'instant. Au début, il n'y a pas besoin. Ouais. J'ai lancé la quête, donc si tu veux rejoindre. Ouais, attends. Quête de groupe. Le vent de Sassoumini. Mais tu veux ça? Le vent du S. Mais attention, qu'est-ce qu'il va y avoir du coup sur la map? Du S. Du vent, du S. Mince. Oh non, je me suis trompé.
Attaque lourde, appuyez sur Y pour asséner un coup puissant. L'esquive, appuyez sur RV pour parcourir rapidement. Du coup, il peut marcher, j'ai un arc. T'as une magnifique tunique. Tu peux vraiment viser ou c'est juste ça? Pas plutôt ça là. Et du coup, voilà, on a des sortes de buffs là. On voit des trucs verts. Toi, t'en as 3 et moi, j'en ai qu'un, apparemment. Bulle de feu. Ah, j'ai une épée de feu aussi, ouais. Le mec, il a tout eu. Moi, j'ai eu un gantelet et des jambières. Tu sens ça comme le truc. Alors le bouclier en fait il faut le maintenir. Ah oui, il faut le maintenir et du coup ça fait un bouclier à la Reinhardt. Ah, ah oui d'accord, c'est ça à maintenir. Du coup, il bouffe constamment de. Non, en fait. Et du coup, c'est vachement pratique. Tu mets ça tout le temps et t'es invulnérable de face. Non? Ouh, à vos flèches. Le mec qui balance des tonneaux pendant ce temps. Qui s'est cru Donkey Kong. Ouais, peut-être que ça m'a ralenti dans les mouvements. J'ai du relique S et R. En bronze. En bronze. Comme ce que je coule dans les toilettes. Oh, c'était fait de feu. Quoi? Avec épée de feu? Hein? Ouais, regarde. Ah, non, j'ai pas ça. Tu vois ça? Je brûle mon épée. Ah, j'ai pas ça. Ah. Pas jaloux, hein? Non, ouais. Parce qu'il paraît attaque super vite en plus. C'est vrai qu'il attaque vite. C'est vrai ça qu'il attaque vite. Attendez, c'était pas un. Non, c'est un tapis. Il y a des tapis qui se promènent. Tu comptes l'avoir depuis là? Pour l'instant, voilà, il y a des ennemis qui se promènent et ça compte pas comme des vagues. Bisou. Sa façon de tenir un arc, ouais, c'est déprimant. Ah, c'est pas comme ça quand t'es un arc. Alors attention aux mollusques dégueulasses, ils font des roulades. Ah oui, alors maintiens ton bouclier. Il est mort? Il est mort de décès? Non, parce que je vois rien. Non. Peut-être que ça a le bouclier par juste les projectiles. Non, je sais pas. Les attaques faibles. Là, j'ai pris cher alors que j'avais le bouclier. J'ai mis 10 ans à tuer mon mollusque, mon cloporte. Je peux pas dire que j'ai le temps de m'en tuer deux, mais. Écoute, le mien il était plus fort. Ah, quand t'as un arc, je peux pas faire d'attaque en courant. C'est un peu triste. J'aime pas trop l'arc. Je pense que c'est mieux en LBR. Oui. Moi, je l'avais mis là. Parce qu'en vrai, ça bouffe quand même pas mal de. Cela, il sort pas trop avant, je pense. Pas un truc que tu peux spammer, quoi. Normalement, t'as envie plutôt de mettre sur le X et le Y un truc qui sort rapide. Ouais, ou un marteau. Ouais, un marteau.
Oui, ce serait bien de s'occuper des archers. Hidden Pocket, oui, donc là ils sont en train d'expliquer qu'il y a des trucs au sol, des sortes de seaux dégueulasses, et si tu vas dessus, bah du coup tu trouves une relique. Attends, attends, tu fonces dessus quoi. Alors, comment ça, un tonneau explosif? Rien à foutre. Hein. Or. Ah, or. Yeah. On vient d'où nous? On vient de là-bas? Pose la question. Ah, il y a un truc là. Ça t'est au-dessus? Ça t'est au-dessus. Oui, on peut sauter. Y'a pas de quoi tu parles. Hein. Ah, par contre, là t'as moins bien sauté. Yes, quel plaisir. Je crois. Oh, y'a du vent. Oh là là, incroyable. Oh, c'est vrai qu'on dirait que c'est un truc, mais en fait, non, c'est pas un truc. C'est ce qu'on appelle du décor. Normalement, il y a une Hidden Pocket. Bah là, justement. Ça. Hmm? Bah, tu le vois pas? T'es pas avec moi, c'est pour ça. Oh. Wow, c'est un trésor. Quoi. C'est ça qu'il expliquait. Pygmalion. Heureusement que t'es là, hein. Parce que... bah, après. Tutoriel. Après, du coup, il va falloir que j'écoute ce qu'ils disent dans. Sur les niveaux que je connais pas. Voilà, on est moche. Bah alors. Mais moi il est sous un masque, donc c'est bon. Mayo. Donc, je sais pas quand, pourquoi elle dit ça de temps en temps. Est-ce que c'est le moment où il faut aller infliger un coup critique ou un. Tokoyo, là, voilà, elle dit. C'est maintenant. Mais elle m'a demandé quoi. Hein? Pourquoi j'ai eu un succès meurtrier alors que j'ai rien fait de ma vie? J'ai eu à fond les boules. À fond les boules? Ouais, tirer des boules de feu avec le. Voilà! Il a fait un 360. Ouais, j'avoue, il faisait des feintes. Il nous a tous les dessus avec ça. Il a terre. Moi je bait les péons. Ouais, tu peux le tuer. Un petit coup d'arc et. Ah non, bah non. Et là, il reste encore mon top. Ah non, mais je regarde les peps de mes ennemis. Donc je sais pas quel pep il a, le boss. Il est en rush. Ah, moi si je suis son après. Le problème c'est qu'il fait spawn moult ziggy à chaque coup, donc il faut. Non, bon, ça va faire. Il faut le tuer assez rapidement. Genre, je me suis pris des gars, vas-y.
Voilà. C'est ça, tu vas te faire attaquer dans le dos. Ouais, c'est bon, ça, je vois. Ce qu'il y a bien, c'est que quand t'es au sol, tu peux quand même tirer à l'arc, tu peux utiliser les... Voilà, je suis mort. Et tu peux utiliser les LTRT, et du coup... servir à quelque chose même quand t'es down. Enfin, quand t'es down. T'es bien à terre, mais pas mort, pas comme moi. Parce que j'ai pas voulu utiliser mes potions. Mais par contre, tu peux pas utiliser des potions quand t'es au sol, c'est bien dommage. Un truc vert partout. Ça c'est incroyable, mais ça passe pour ce que je fais. Ah, vous maîtrisez, toi. Oui, il a massé, Patrick. Je crois qu'on peut le break, il a une... il a pas une jaune, non? Non, pas lui. Pas lui. Pas lui, je te dis. Pas lui. Bon, le ciblage est quelque peu approximatif, oui. Tu comptes les attaques. Tu peux utiliser ton arc, non? Oh, ouais. Si j'avais utilisé mes poissons, je serais pas down. Du coup, j'ai que platine. Oh, j'ai que platine. J'ai pas été down. T'es prêt? Pour la danse de la victoire, attention. Ouais. Partez synchro, hein. Parfait. Parfait. Ah. Ah, point gêne. Ouais. Je sais pas quoi ça sert, ouais, hein. Tu dois bien avouer. Un cobre bleu. Je sais pas comment t'as la prime d'excellence. Est-ce que tu fais du platine partout sur tous les combats? Oui, j'ai un arc. Bon, alors par contre, c'est de la merde. Hein. Moi, j'ai plein de corps. Par contre, j'ai une cuirasse de Koenig. Ouais, elle est stylée. Oh, j'ai un gros marteau. Ouais, t'es content, hein. Dès qu'il y a un marteau. Ah oui, un gros gros marteau. Un gros gros marteau. Il évite le marteau, ouais. Mmh. Ah bah, on va s'équiper là. Enfin, je passe ça. Kyomo, otsukaresama. Oui, régalez-vous les sentinelles. Et toujours le poulet avec une sorte de haricot saucisse là. Haricot doigt. Et les deux bouteilles renversées. Je sais pas ce qu'ils disent là. Oui, non, on soyez au plus vite, oui. Oh, bon. C'est ton papa qu'on va affronter. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
Ça, c'est un accordéoniste qu'ils ont engagé. Ok, bon, j'ai pas compris ce qu'ils ont dit, mais ça, bon, il y a papa qui est mort, je crois. En tout cas, ça fait 3 ans qu'il est parti. Il a dû peut-être se marier avec un galu. On l'a plus jamais revu. Arrive. Et voilà quoi. Est-ce qu'on a accompli une nouvelle quête quotidienne? Bonjour Sophia. Tu as des galus avec Sarine? Oui, oui. Ah, partie éclair. Accomplir une quête en partie rapide. Ouais, mais ça, pour le faire, il faudra qu'on se mette d'accord. Accomplir toutes les missions quotidiennes. Quête optionnelle, 3 quêtes optionnelles, 20, 80 ennemis. Donc ces deux-là, ça va être facile. La partie éclair, ouais, ça veut dire qu'il faut jouer avec des gens, quoi. Ah, c'est elle qu'il fallait voir. Ouais. Après, peut-être qu'on n'est pas obligé de jouer avec des gens, dans le sens où... vu qu'on est seul dans notre QG, peut-être une partie rapide sera entre nous. Quoi. Je peux mettre une capuche. Non, mais c'est ridicule, par contre. Si je mets une capuche, je récupère moins rapidement mon esprit. Ne me demandez pas pourquoi. Okay. J'ai un col de la sentinelle qui est juste une ceinture SM. Mais tout va bien. Non, je sais pas, en fait. Bon, par contre, l'armure, elle était géniale. Et c'est ouf la récupération d'esprit. C'est quoi les stats en bas? Ah oui, est-ce que tu peux survoler toi les buffs vu qu'à la manette on peut rien faire? C'est-à-dire bah, les trucs qu'on a en vert. Je sais pas pourquoi je mets le bouclier en vrai, je sais pas l'utiliser. Dans le game là? Pas quand t'as un jeu? Ouais. Je sais pas, allez, je te... Ah si, il y a le bâton pour récupérer de l'enduit, mais... En vrai, non. Bon, on verra quand on devra acheter les trucs. Et par contre, maintenant, je me traîne le boule, non? Toucher 5 fois plusieurs ennemis simultanément, restant instantanément une partie des PE. Du coup, lui, on peut vraiment rien faire avec. Mon coffre de Gédéon. On va avoir tes aises avec tes boyaux de Gédéon. Tu auras tout le temps d'apprendre comment fonctionne ton coffre plus en détail. Oui. Pour le moment, il sert toujours à rien. C'est quoi les attaques fantômes? Fini. Venu au quartier général de l'armée sentinelle, la branche de l'armée impériale. Ça doit être les LBLT, je pense. Dédié à l'éradication des galus, évidemment. Si tu ne sais même pas cela, mais qu'est-ce que tu fiches ici? T'as perdu ta maman? Attends une seconde, t'es une sentinelle, je me trompe. Quoi ton nom? Moi c'est Galimia. Vous, sentinelle, protégez les civils. Et moi, je vous protège vous. Maintenant que les présentations sont faites, je te souhaite la bienvenue dans ton nouveau chez toi. Hein, c'est tout? PNJ qui sert à quelque chose? Tu peux appuyer sur les sables deux secondes? Sur les chapes? Ah, sur ton inventaire. Quoi. 188, 190, 108, 110. Regarde. T'es stat en bas, mais je sais pas ce que c'est. Ah. Genre, t'es clairement plus haut dans tous les trucs. Bah, on a impact, là on le retrouve à droite du coup. Pour l'armure. C'est peut-être le perçage d'armure ou du coup le déséquilibre. La résistance au déséquilibre. Ça doit être les stats défensives, parce que du coup on a les stats offensives ici. Voilà, vitalité, stabilité, récupération d'esprit et esprit. Les trucs qui sont liés à l'armure. Donc du coup, bah, c'est ouais, peut-être grâce à ma cuirasse de Koenig niveau 3 quoi. Et à mes jambières d'assaut niveau 3. Ouais, je suis full armure aussi pourtant, tu vois ça. Après j'ai moins 1 à tout en résistance, moins 1 au feu, moins 1 à la glace, moins 1 à la foudre. Je suis en plus 1 en glace. Stabilité. Ouais, ça doit être ça. J'ai l'air de merde. Du coup, il n'y a pas le total de. Bah non, oui, non, ça n'a pas de sens. Le total.
Offensif. Il y a juste du défensif qui est logique. Ouais. C'est complexe. Alors, c'est complexe. Moi j'aurais mis un marteau. Ce sera mieux qu'un arc. Moi j'ai mis arc et marteau sur LTRT et puis. Et full épée sur les. J'ai épée, marteau et arc, bâton sur les autres. Ah, le bâton. Bah, il vend des boules de feu, c'est sympa. Oui, s'il est fort, oui. Oui, donc du coup, là, on peut pas, voilà, on peut pas faire partie rapide. Parce qu'on est dans un QG privé. Donc, ça veut dire que cette quête quotidienne là, on sera obligé de. D'aller à une autre, un autre QG. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu les quotidiennes? On s'en fout un peu hein, des quotidiennes. Ah, voilà, j'en sais rien, c'est, moi ça donne des trucs gratuitement. On joue pour l'histoire, non? Oui, mais encore faut-il réussir à avancer dans l'histoire. Je pense. Le boss, c'est un peu mal. Ah oui, c'est vrai, je veux cliquer sur prêt, pardon. Moi j'attends. Mais j'ai plus d'eau. J'ai encore du chocolat. Moi j'ai plus de café. Et que moi j'ai café à 23h à 52. T'as un problème? Alors attends. Ouh, la grosse boule. La grosse flèche. Le gros marteau. Tu peux les maintenir et puis. Oh! Je brille. Ah d'accord, ça m'a pompé toute mon énergie. Pardon. T'as perdu toute ton énergie? Moi j'avais pas vu que ça descendait quand tu maintenais ton bâton à pied. Mais du coup, ça sert à quoi? À part illuminer les environs. Bah, je pense que ça va faire une grosse attaque. Mais si ça te le bouffe en constance, en constamment. Oh, y'a rien avec le marteau. Des esquives, je connais pas. Des esquives? C'est quoi ça? J'ai eu peur de ta boule. Que l'arc quand même c'est pareil que le sceptre mais en plus rapide hein. L'attaque à distance oui, c'est ça. Putain, il est sûr. Attention Laurent, la misère. Or du coup, on vient d'où? Parce qu'on vient de là. Là. Ouais, fallait là-bas. Et y'a pas des secrets? En fait, je comprends pourquoi ça a plus optimisé à la manette. Dans le sens que. Attends, tout à l'heure, c'est de changer mes touches. En fait, pour charger tes attaques. Enfin, tu peux charger tes attaques fantômes pendant que tu attaques normal, tu vois. Et genre, c'est très dur de charger AE pendant que t'attaques. Bah oui.
Mais après, si tu les as un sur la souris et un sur le clavier, peut-être ouais, que c'est plus jouable. Mais je peux pas changer les touches. Ah. Je peux pas les mettre sur la souris. C'est pour ça que LTRT, tu peux les charger pendant que tu appuies sur X, quoi. Mais c'est con parce que j'ai des boutons sur la souris qui marchent pas sur le jeu. Pas chiant. Je regarde juste mes touches. Merde, j'ai dit. J'ai utilisé une potion. Tout va bien. Mais c'était quoi le truc pour les instructions? Pour discuter avec ses amis. Pourquoi ce menu trop mal fait là? Ça critique. Bon, en effet. Ça ferme, putain! Pendant ce temps, il y en a un qui se bat avec le menu. Ouais, c'est comme ça. Un peu plus facile que ailleurs. Vous avez vu, c'est pas une tempête ordinaire. Tu as raison. Pardonne-moi de t'avoir taquiné. C'est rien, et puis t'avais pas entièrement tort non plus. Finissons-en avec cette mission et dégageons vite d'ici. Ouais, ça me va, ouais. Génial ce que tu dis. J'ai failli pas appuyer sur F. Heureusement que j'ai des réflexes. Non, heureusement je suis trop fort. Bah, je veux dire, j'étais dans le vide carrément, de base. Regarde parce qu'il y a encore les rochers qui tombent pendant ce temps. Mission accomplie, extermination, oui! Il a le temps de me tirer dessus alors que je suis en train de le tabasser au cac. Maudit arbre à l'étrier. Bon, ça lui il a des bombes chronostop. Tranquille, il les sort de sa poche. Platine. Yay. Je suis pas une bombe platine. J'ai surtout pris un rocher dans la gueule. Ah, regarde! C'était caché. Je l'avais pas vu lors de la démo. T'es caché dans le vent. Ouais, faut faire gaffe, hein. Il y a des passages secrets. Je sais pas ce que c'est le truc, je crois. Pognon, probablement.
Ah, n'oublie pas, il y a des cristaux qui tombent, donc du coup on peut les récupérer pour faire du LT, comme on a fait contre le boss. Actuellement, il sera pas nombreux contre moi. La chronostase qui m'a eu. Ce sera un argent. Non, c'est or. Ah, moi je, ça c'est déjà un peu de choses, hein. Je suis à 7900 donc ouais. En vrai. Ça c'est déjà un truc. Je prends le cristal avec moi. Hein. Ok, il me l'avait, j'avais déjà essayé, il me l'avait surpris. Hein. Je sais pas c'est où la suite, c'est là où tu vas ou c'est là où? Il y a un secret. Ah, je dirais c'est là où tu vas du coup. Oh, peut-être que j'aurais dû lâcher ce cristal. Tu refonces mes touches. Ça ne va pas. Et bah du coup je vais te rejoindre. Bah il y avait un secret quoi. Oui. Il y avait un gros coffre. très joli saut. Je de merde putain. Mais il n'y a pas du tout de gros coffre. Mais là où j'étais. Hein. Apparemment, il n'y a que toi qui l'as eu. Peut-être que tu récupères la récompense. Je sais pas, j'ai rien vu par terre. Peut-être que ça tombe. Vite alors, du coup, vite, viens récupérer ce que j'ai fait dropper. Putain. Ça se trouve, j'ai tout enlevé. On saura qu'il faut rester groupé. Il y a des trucs par terre pour toi ou pas? Oui. Ok. J'ai ouvert ce coffre, j'ai ouvert un. J'aurais dû mettre une capuche. Il a chargé son marteau. Oh, Pipos. T'as le petit marqueur sur toi qui clignote au bout d'un moment, du coup tu vois si tu te fais cibler par un archer ou pas. Oh, oh, c'est combo. N'oublie pas les cristaux aussi par terre. Pas besoin, j'ai un marteau. Pas besoin, j'ai un marteau. Mec, le coup de marteau plus le truc. Lui aussi il a un marteau, hein. N'oublie pas. Je m'occupe des archers. Je m'occupe des archers, non, c'est moi. Toi tu t'occupes du gros.
Mais d'où il stun pas lui? Ah, je vais me faire avoir par les archers de temps. Sort contre marteau. Ouais, je l'ai mis à terre. Quoi ça? Bah super, il a esquivé l'attaque. C'est quoi cette bolasse trop? Le pauvre, il peut rien faire. Je les comprends, putain. Je comprends, c'est pas. Ouais, pareil. T'as mon passage. Je sais pas s'il y a quand même des notes de groupe. Ou bien si c'est vraiment que du l'individuel. Tu m'as battu une fois. Admirable. Allez, donnez-moi un... Oh mec, oh. Je voulais un arc fort, mais en fait, je me retrouve qu'avec de l'armure. C'est quoi ça? Ah, un accessoire. C'est mon premier accessoire. J'en avais déjà... Ruée fortification. Esquive augmente probabilité de critique. Ah, il est bloqué. Oui, parce qu'il y a des trucs qui sont bloqués. Je sais pas trop comment ça se débloque. Je crois qu'on peut améliorer nos armes, mais c'était pas débloqué dans la démo. Donc, par contre, je vais me retrouver avec un casque nul, apparemment. Ouais. On équipera ensuite. Ah, déjà il faut boire. Et discuter stratégie. Oui, bien sûr. Il a utilisé un dynamisme récemment, pas vrai? Mais oui, bien sûr! Demandez toi, juste si toi aussi tu as entendu ce que racontait l'un des vétérans. Un truc du genre, quand on utilise trop, ils se durciront et se transformeront en ce qu'ils appellent l'Energeia. L'Energeia? Ouais, ils disent que les fils se sortent et te transpercent, et qu'ensuite, le coffre prend le contrôle de ton esprit. Je me demande bien pourquoi on parle de ça maintenant. Oui, du compte, ces coffres nous valent le peu de liberté qui nous reste. Tu penses que c'est ce qui est arrivé à Ishum? Il a dit qu'il ne nous restait que peu de temps avant que les coffres nous dévorent de l'intérieur. Par du domaine, de quoi c'est avec ces machins scotchés dans le dos? Sophia vient d'être capturée par un seigneur Galu qui se fait nommer Talos. Elle est immédiatement partir à sa recherche et l'a ramené saine et sauve. Et là, moi, pourquoi je devrais me démener pour ramener Jacqueline saine et sauve et tout ça, bon, ça du coup on passe. J'ai une maquette quand même de la tour de Babylone. Hein. Je sais pas qui l'a fabriquée avec des allumettes. Hein? Je suis Ragal, vice-commando de l'armée sentinelle. Ah oui, oui. Le commandant Saphir est absent pour le moment. Bah oui, évidemment. Je me disais, mais c'est qui lui? Mais c'est bon, j'ai compris pourquoi. Donc récupérer évidemment la récompense. Hein? Ah, je ne peux pas parce qu'il est minuit 11. Non? Si, c'est bon. Non, c'est bon. Il y a eu juste une erreur apparemment. Et tout va bien.
Ah mais du coup toutes les autres ont changé. Hebdomadaire, bah c'est bon, on est good. Dispo jusqu'au 6 mars 2022 à 18h. Je sais pas ce que tu ce que c'est que tu regardes. Bah les 4 hebdomadaires, les 4 quotidiennes et tout ça, tout ça. Ouais mais je sais pas pourquoi ça sert. Bah récupérer des trucs, des accessoires, des trucs pour augmenter les armes, etc. Donne-moi la manette. Ah ça y est ta banane. Je vais essayer la manette. Ça rend plus facile. Ça il faut un carrefour. Ok. Ça c'est mon déplacement. Ça c'est une manette qui ne sert à rien. Ah bah si, le carrefour il doit être là-bas. Attends je crois. Dégâts subis, critique assurée au prochain coup. Match à mort 1. Bande d'excellentes factures conçues pour les centurions domitiniens. Les motifs décoratifs figurant en relief témoignent du sens artistique de l'armurier. Moi, je sais pas si on peut échanger des objets. Équipement autre. On peut pas échanger. On peut échanger des emotes, des poses et des bannières sentinelles. Attendez. C'est bon, t'as trouvé ta manière. On est parti, ça. Pendant ça, on peut parler avec d'autres gens. Mini Mora, on s'en fout. Non, il y avait les deux gardes au fond. Il y a Swalto. Ishum qui veut toujours pas nous aider, je suppose. Attends que je devine. Une nouvelle recrue, c'est ça? Moi, c'est Balagora, le responsable en chef de cette porte. Cette porte mène à un quartier plutôt huppé. Désolé, mais je ne peux laisser passer personne sans autorisation. Leur règle, pas les miennes. C'est d'autant plus mal pour les sentinelles sans laisser passer. Visiblement, vous leur faites peur. À eux, hein, pas à moi. Eh, tu serais pas une sentinelle. Moi, c'est Malius. J'adorerais bavarder avec toi, mais malheureusement, je suis de service en ce moment. Si tu as des questions, demande à Balagora, le chef des gardiens. C'est lui, il a le droit de parler. Ah, c'est le chef en même temps. Du coup, moi j'avais acheté le set chez Pygmalion. Qu'est-ce que tu veux, la bleusaille? Allons, Galatée. Surveillez un peu votre langage avec le client. Bienvenue au bazar. Oui, c'est exact. Nous avons tous les accessoires et provisions dont une sentinelle a besoin. Et à des prix raisonnables. On va. Excuse-moi. Certains trucs vont te coûter bonbon. Si vous trouvez que c'est un peu trop cher chez nous, vous devriez voir un peu les prix du marché avant soustraction de la subvention que l'employeur nous accorde sur les provisions. Vraiment, ce type n'aurait jamais les tripes de se prendre une part pour lui. Galatée, ne dis pas des choses pareilles, enfin. Après elle, confort et équipement doivent s'obtenir pardon, par le sang, la sueur et les larmes, plutôt que par le statut social. Excusez Galatée, sentinelle. Nous nous réjouissons déjà de votre prochaine visite. Pour faire simple, ramène l'oseille, ou tu peux te brosser. Il faut de la monnaie premium, et ainsi qu'un pass de combat. Ah bonjour, bonjour. Ah, la bleusaille, t'as pas trop chose à faire que de venir traîner par ici. Il a peur d'être du même avis que Galatée, sentinelle. Vous ferez mieux de vous dépêcher.
Objet limité pour la sortie. Il faut de, du pognon pognon. Waouh. On peut avoir le pack tenue de tour. Pack contenant 4 tenues décoratives sur le thème de la tour. Pack tenue cactus. Pack contenant 4 tenues décoratives sur le thème reptile. C'est vrai que c'est stylé, hein, mais... On peut avoir la tenue d'Ishum. Mais qui voudrait ça? Ah, ça va. Les capes, évidemment, c'est stylé aussi. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on entend un bruit blanc maintenant? Allô? Qu'est-ce que t'as foutu encore? Est-ce que je t'ai cassé les oreilles? Je sais pas, on entend des trucs, des bruits bizarres maintenant. Est-ce que vous voulez acheter des garages? Non. Là, maintenant, t'entends des bruits bizarres? Non, c'est bon, maintenant c'est bon. Ok, d'accord. C'est bon, je rebranche mon micro, tout va bien. Acheter de l'équipement avec des conques. J'ai une Discord. Voilà, du coup, c'est là où j'avais pris mon pack de démarrage Berserker. Mais en vrai, vu qu'on va se faire éclater contre le boss, tout va bien. Ok. Donc, la manette, comment on joue? Je sors. Et tu vas devoir tout te réhabituer à Pitbull quand on arrive sur le boss. Bravo. Ah non, c'est vrai, la caméra à la manette. Il faut que je l'inverse. Ah, on peut acheter des couleurs de cheveux. Comment on a sa caméra là? Sont dégueulasses, ça n'a pas changé par rapport au jeu original, enfin à la démo. Les emblèmes. Je regarde rapidement les touches pour gagner du temps. Non, mais bon. 10 000 conques ? Et pourquoi je viens d'utiliser 10 000 boules pour un emblème ? Quoi LB? Okay. LB c'est le lock. Oui, mais je sais pas ce que c'est LB. LB. Mais si L left et puis B du coup bottom. Donc du coup c'est à gauche, ah, le plus proche de toi. Voilà, on s'en fout. Ah non, RB. Ah, ok, ça c'est esquive. Non, mais c'est chaud, tu peux pas esquiver et manière de toucher pied du coup. Bah si, c'est... t'as deux doigts. Tu mets l'index sur les RB et LB. Voilà, je savais que et, et les majeurs sur moi oui avant j'ai enfin moi j'ai l'habitude d'utiliser que l'index pour les deux mais là il faut être obligé d'utiliser les majeurs hein. Sinon, sinon t'es en PLS. Est-ce qu'on peut en mettre plusieurs? Sélectionner, désélectionner. Oui, oui. Est-ce qu'on voit les trucs qui sont équipés, les trucs qui sont pas équipés? Je suppose que ça c'est équipé, voilà, vente impossible. Quelle okay, potion ça fait du... Ok, ça va. Ça... Normalement. Ok, on va s'amuser un peu. Ça va. Je vends des trucs, j'arrive. Il faut vendre. Bof. C'est qui vend, c'est lui? C'est qui achète plutôt? J'ai plein de trucs. Ouais. Moult trucs de customisation. Il y a que les équipements où t'as des sets d'armes. Mais moi j'en avais acheté parce que j'ai. Je pensais que ça allait m'améliorer, mais pas tant que ça par rapport à ce qu'on drop en vrai. Je peux pas quitter. De toute façon, je pense qu'on va se faire éclater contre le boss, mais.
Sauf si c'est toi qui carry pour Balbum. Connexion. Comment ça, connexion? Moi je suis prêt. Mais. Ah, tu peux acheter de l'équipement. Oui. Il est dégueulasse quand même ce home de centurion. Ah, il y a des reliques avec. C'est vrai que j'avais une relique avec. Un accessoire. Quoi. Oui. Ok, ça va. Tatoumi, t'es sûr, t'es prêt? Ça marche, je suis prêt. N'oublie pas, hein, faut casser le cristal. Viens toi. Alors je sais pas si t'étais là. Si t'étais là. Oui, j'étais là. Actualise. Je vais ton stream. Hein? Pourquoi je pars tout seul? Il y avait un timer. Sûrement. Pourquoi t'es parti tout seul? Rien que commencer une quête. Ok. Nickel. Ah, c'est vraiment, là, on se levait chacun de notre côté, non? Et si j'abandonne, ça fait quoi? Vous perdez 40 niveaux. Ah, puis, ah oui, j'adore parce que je mets star, mais en fait, du coup, ça abandonne pas. Enfin, ça met pas en pause le jeu. Le boss il avait continué à m'attaquer. Tout va bien. Ouais, j'ai tout perdu. Mon honneur. Bon, c'est bon, t'es prêt cette façon? J'étais déjà prêt. Elle est pas. A loupé de quelques secondes. Et du coup, ça avance dans tes quêtes. Si toi tu prends vos quêtes, t'as accès à. Oui, ça augmente un petit peu de à la salle parlementaire. Comment on est prêt? Bah, apparemment, pas toi. Mais je sais pas quel touchait. Ah, Y. Oh, ah, triangle. Y. Je sais pas sur quoi t'es. Donc... La manette de Viter. Hein? C'est quoi cette manette? La manette de Viter. Très bien. Avec cette barre de chargement qui rollback. Bon voilà, du coup on voit Talos, là je sais pas quoi. C'est Jacqueline qui essaie de l'apaiser. Elle négocie avec en fait. Elle dit non, ça va. Il a ah, tu m'as trahi. Talos, ben il est dégueulasse. Il pleure. Non, c'est pas Talos, c'est Zenon. Bon, ok, j'étais pas loin. Oh là là, c'est ce qu'on va devenir ça, donc calme-toi. Une ancienne sentinelle. Ah non, on a de grandes destinées. Ah. Oh, je ressemble à rien. Oh, je ressemble à rien. Mais le casque il gâche le tout déjà. Oh, je le trouve stylé le boss. Oh, certes, c'est encore un énième ennemi en armure, mais. Et là c'est que nos coéquipiers ils ont inventé des ennemis. Et du coup nous on s'occupe du boss pendant que eux, ils vont glander. Ok, let's go.
je vais shoot. Mais à chaque coup, je vais me voir avoir pas son coup de pied, c'est incroyable. Ça commence bien. Attention, là, il fait exploser les cristaux. Ça va, ça va. Tu peux rapprocher. Là, il fait Sarabada. Il est L2, LB. Ce qui est bien, c'est qu'on lui a fait 2 de dégâts. Ouf, je suis empalé sur un cristal. Ouais. Ah là, du coup, c'est là où il va faire le cristal, non? Pas du tout. Oh, je pense qu'on lui a l'air pas enlevé assez de PM. Zéro dégâts avec mes épées niveau 1 en même temps. Pardon. Regarde comme il perd ses PEV à une vitesse dramatique. C'est bien, on est à 8ème. Je suis saturé. Je tombe pile poil à chaque coup sur l'arc de cercle de son coup de pied. Touche.
truc à toi ça. Oui, oui, oui. Je sens que tout va jouer sur le fait aussi, si on arrive à péter le cristal avec le peu d'attaque. Sinon, faut se mettre full B aussi avant de avant d'attaquer le cristal. Pour pouvoir le tanker. Je sais quoi. Laisse-moi. Je vois rien. Plus tard. Il reste combien de potions? Moi, tu me. Oh! Toi, tu les bouffes. Pourquoi il me reste qu'une, merde? Tu les bouffes à la peine? Je crois qu'on va être de la suite. Bon, après, t'as 5 revives, donc c'est ok. À le déstabiliser, sûrement avec les boucliers. Ah, c'est là. Non, c'est pas là. Moi, je me restaure déjà. Si c'est là où il commence à avoir des épées dans le dos. Et voilà la barrière d'épée. Ow. Ouch. Oh, pas assez de dégâts. Ah, quoi que. Non. C'est full B ou pas? Non, mais toi. J'allais dire, on utilise sa potion, mais ça va être trop tard aussi. On va essayer de t'attendre du coup. Si t'as un arc, tu peux, ou le sceptre, peut-être. En tout cas, les LTLB, tu peux. Non, non. Ah, mais non, oui, pas à terre comme ça, oui, pardon. Non, oui, tu rampes, et ça sert pas à grand-chose. Je me suis pris quand même les 378 de dégâts, alors que j'ai dashé à travers. Mais il fait, il tourne. Il m'a enchaîné, j'ai plaisir, les gars. Le bouclier, il tient bien. Ouais, par contre, ça. Tu devrais mettre derrière toi en fait quand t'as le bouclier. Bah, ah, mais laisse-moi. Je peux même pas me relever. Déjà on lui fait peu de dégâts, alors en plus si on a moins d'ouverture. Donc là, il va refaire le cristal. Je sais pas si tu mets ton bouclier, t'arriveras à contenir le. Ouais.
plairait. Yes. Marteau. Marteau, marteau. On le gratte, mais... Tant qu'on arrive à détruire le cristal, c'est ok, mais... Il faut pas trop se faire toucher ici. Voilà, par exemple. Oh, c'est super, il fait des contres. Mais là, soit... Ça, c'est l'une des pires attaques, j'arrive pas trop à l'esquiver. On voit ta joue se remplir. Mais il va même arrêter d'attaquer, oui. Il va se laisser taper. J'ai l'impression qu'il en a après toi. Ça fait pas. T'en as combien de revive 2 il te reste? Ah, j'arrive même pas à exploser. Qu'est-ce qui se passe? Je connais pas trop ça. Ah, c'est, hein? Il y a des cristals là, à papa. Ah. Les cristaux, tu veux dire? Sont plus fragiles au moins. Mais non, mais le problème c'est que vu qu'on peut pas cibler ce qu'on veut, très bien. Très bien, le bouclier. Le problème c'est que je crois qu'il place autant de cristaux que ce qu'on devrait avoir de joueurs, 4. Il va recommencer son truc. Ah oui, mais celui du centre là, il va faire normalement. T'approche pas trop du centre, je sais pas si tu vas te prendre le. Est-ce que ça passera? Je sais pas si... Ah, on rampe du même côté. Non, je veux pas. Le passé, la taille est gentille.
Mais il attend tranquille. Oh, et je perds 300 PM gratos. Opéra pendant ce temps. Ah merde, il te reste Perrin. Faut que je le tue tout seul. Ouais. Normalement, il a décidé d'attaquer le Cristo. Super, je vais à la rencontre de la vague. Ça va être compliqué. Ouais. Ça devrait le faire. Ah non, je peux pas le taper pendant ce temps. Ah, la baise. Du coup, il va m'enlever encore un revive. Bon, j'en ai encore, mais... Ah non, non réanimable. Ah, parce que toi, t'en avais plus, donc du coup, moi, j'en ai plus. Bizarre. Moi j'en avais encore 3 ou 4 hein. J'ai pas été down souvent, 3. Mais j'adore parce qu'on était à quoi, un milliardième de PEV. Je t'aime quand même. Toi, tu m'aimes pas apparemment. Ah quand même. Attends.
J'aime prendre une mallette en main, c'est pas la même chose. Le problème, c'est que du coup, on n'a rien eu en mieux. Donc si on le retente, si, on a juste l'expérience, mais c'est tout, quoi. Et ça va mettre encore autant de temps. Donc soit on farm... la précédente mission, je sais pas laquelle. Et on peut pas acheter des équipements aussi. On peut lui acheter l'équipement, c'est vrai que moi avec mes épées nulles, je dois faire 0 dégâts, mais. Mon épée elle fait 50 quoi, c'est naze. Ah, tu vois, elle dit 50 passées. Mais je sais même pas, moi, ouais. c'est les toutes premières épées, hein. Moi j'ai les épées niveau 1. Je peux en acheter un rang 6, mais je crois que ça augmente pas tant que ça, non? Ça coûte 2500. Le problème c'est que du coup le pack de démarrage tu l'achètes et du coup tu l'as au rang. Actuel, c'est à dire nous on est rang 6, du coup tu l'achèteras au rang 6 et après tu pourras plus l'acheter. Moi je suis rang 8. Hein? Ah oui, mais c'est parce que le rang dépend des équipements que tu as. Donc vu que tu as des meilleurs équipements, en tout cas d'attaque. Non, mais quand t'achètes l'épée de base, c'est une épée aléatoire ou c'est vraiment une épée grise pour moi? Alors, c'est des glaives, donc du coup c'est pas les épées grises, c'est les épées un peu mieux. Ouais, c'est pas des glaives. Moi j'ai des gris pourris, oui. Bon, on peut prendre le pack de démarrage, ça devrait passer. Alors, soit on farm et on prend rien, soit on retente le boss et on achète ça. On peut aller farmer, on va essayer de farmer. Ou on y va avec en partie rapide avec des caries, mais bon. Vocate. Je n'arrange pas de refaire la même mission, je t'en. Tu joues plus pour le gameplay que pour le lore. Hein. Le gameplay il est bien, non? Oui, c'est ce que je dis, oui, tu joues plus pour le gameplay que pour le lore. Oui. Du coup, j'ai préparé, c'est bon. Ouais, c'est vrai que c'est con que tu puisses pas accepter depuis. Ouais, t'es obligé de passer par 15 menus. Ouais, t'es obligé d'aller dans les quêtes. En plus, on est dans le même QG, on est amis. Enfin. Et je sais toujours pas comment on a Y. Après, il faudrait que je. On fabrique notre guild. C'est à 4, ça le fait. Ouais. Ok, ok, ok. Alors, j'ai changé le bouton. J'ai mis l'esquive sur B. Je vais tenter comme ça. B? Mais ouais. Après, c'est vrai qu'on a la capacité comme ça, propre tu peux à chaque. Tu vas charger tes attaques. Ouais, mais tu peux être un poulpe quand même. Ça, ça rapporte rien, il faut trouver des reliques. Il n'y a que ça en fait qui peut nous sauver. Mais c'est quoi les trucs jaunes en fait? C'est pour moi, c'est la pognon. Le pognon, ce sont les cons. Ah, c'est la monnaie gratos. Ce qu'on donne à Rapid Manion, justement. Mais vu que de toute façon, il n'y a que des cosmétiques à acheter ou. Quoique, il y a des pièces aussi. Donc, je sais pas trop c'est quoi les pièces versus les cons en fait. Là, tu t'en parles un peu. Et dans mon coffre, il y avait une relique. Ok. Ah, moi j'ai pas eu de relique. Donc du coup, j'ai eu plus de chance que moi. Au pire, j'achèterai le coffre du débutant. Enfin, j'aurais peut-être joué bouclier. Je me prendrais pas des coups bêtes. Je sais pas. Le problème, c'est que là, avec le bouclier, je sais pas quand est-ce que ça intercepte et quand est-ce que ça intercepte pas. Donc, du coup, moi, je préfère jouer esquive en fait. Je danse au coup d'épée à Jacqueline. Peut-être plus je gueule en l'air. Oups, attends. J'ai un mal qui baille.
se passe? Tu t'en sors? Bah, vous voyez, mais... Bah, ça suffit là. Allez, c'est moi le premier. Trumps. J'aime pas la manette, j'en joue dans un clavier. C'est vrai? Ah, le, faut que tu trouves une solution pour le ILO du coup. Bah... ouais. Merde, j'ai inversé la caméra. Non, faut que tu... Tout la caméra. En vrai, ça pourrait être sympa si... Il y a du rebind un jour, sur ce jeu. Et rebind souris en tout cas. Ouais, bah, c'est con qui prennent pas les boutons de la souris. Mmh. Après, peut-être tu peux utiliser un hot to key pour bah, une petite touche souris par une touche clavier, même. Bah, même, parce que. Ah non, mais touche souris, on a raccourci, tu vois. J'espère que ça marche donc. Mais je pense pas qu'il prendra. C'est compliqué, si. C'est pas trop mal. Ah, on y était tellement proche contre le boss. Il restait impair. Mais il s'est mis en mode hey, cabane. Petit bâtard. Si au moins on pouvait le toucher pendant qu'il charge. Moi je vais me faire repousser par tout le monde. Tueur éclair. Qu'est-ce que c'est? Ils ont considéré que je suis rentré dans la stase, mais pas trop, mais moyennement. Des morceaux de tour. Ah oui, là, tu l'as oublié le. Ah oui, c'est vrai. Voilà, une relique rare. Une relique bleue. Est-ce que je vais avoir enfin une arme correcte? Je vais remplacer mes épées niveau 1. Allez, moi sûr. Je vais encore avoir des armures. Que je vais être ultra tanky, mais je vais être faible.
quel jeu de merde. M'arrive à fréquemment de dire ça. Mais je ne le pense jamais. Enfin, pas tout le temps, en vrai. Pas tout le temps. Voilà, genre on se fait éclater le cul. Ils ont tous des boucliers, faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Oh, c'est pas ouf, hein. Ça fait tellement chier. Putain, ouais. Il y avait ton truc secret là, ton passage. Ah, ouais, ça. Vite de pognon. Le truc de stase. Ouais, tu veux. Ah, celle-là, oui, donc du coup, elle est bien pas partagée. Donc, du coup, non, ça t'a foutu. Un truc sur le LTRT. Ouais, et après. Ah, mais si, il y a peut-être le coffre, il est peut-être. Mais non, pas du tout. Et après, il faut le maintenir LT ou RT pour lancer la bombe. Peut-être déjà utilisé. Et au moins, on fera les mêmes trucs de stase que l'autre là. N'oublie pas, il y a le coffre qui est à gauche. Tu vas peut-être louper. Il y a les cristaux là. Enfin bon. Est-ce que ça sert? Je t'en récupère. Caillou, attention caillou. N'hésite pas à utiliser tes trucs de stase si on est mal au point. Il est bloqué là-haut. Jagel à chaque coup. Alors, n'oublie pas, ta stase. Mais bon, tu vas dire, t'as un pas de main.
va déjà s'occuper des archives. J'ai cru que c'était quelqu'un qui m'attaquait, mais non, c'est toi. Pas 4, je maîtrise. Ouais, je maîtrise. Oh non, y'a pas de friendly fire, t'imaginerais dans ce merdier. Il attaquera pas. Il ne bougera pas. Il ne bougera pas. Je sais pas s'il faut ramasser les reliques avant. J'ai chopé une relique là. Non, elles viennent toutes après à la fin du combat. Il est pratique ce boss. Tu peux le mettre à terre tout le temps. Bah après, il y a toi qui mets à terre parce que c'est ton job. Enfin, c'est ton job de marteau. De marteau. Mais moi, je pense pas que je le mette à terre. Oui, tu t'es soigné bien plus que moi. À 4500. Moi, à 5500. Moult reliques. Ah ouais, 13. De besoin. Bon, ça t'avais fait que je prends 13? Ouais. J'achète. Moi j'ai toujours pas d'épée. Bah je crois que je vais acheter les épées de Jackie. Hein. Ouais. J'ai encore eu un marteau, je vais oublier. Ah bah on le refait. Ouais, non mais non, on se fait le boss. Non? Bien sûr. Et mon marteau rend 13, il fait moins de dégâts que mon marteau rend 8. Oui, c'est parce que c'est un rareté inférieur. Ah ouais, bah quand même. Quand même. En gros, c'est toujours la rareté 3 qui va primer à chaque coup. Ah ouais, c'est clair. Bon, après, avec mon arc, peut-être que j'ai envie de deux marteaux au lieu d'avoir un arc, mais l'arc il me permet de tirer quand je suis à terre. Moi j'ai des casques qui étaient mieux. La récup d'esprit c'est quand même important, ça sert à rien de foutre vitalité à donc. Mais bon, évidemment plus ça va être léger, plus il y aura de la récup d'esprit, mais moins il y aura de défense. C'est logique. Si mettre un marteau sur mon triangle, c'est une bonne idée, mais bon. Du coup, j'ai rien augmenté quasiment. Ça, c'est fort. Tu vois, c'est compliqué. Hein. Non, est-ce qu'on peut essayer de faire comme. Je peux pas changer. J'achète, tant pis. Pas cher. Mais bon, du coup, est-ce que ça me handicapera pour la suite? C'est. Ah, oh. Voilà, c'est, les dégâts sont quand même bien plus intéressants. Pourquoi j'ai mis une épée là-haut? Mais parce que j'ai réussi le marteau.
c'est le AEO comme ça. Un peu de cheat, mais. Faut bien. J'espère que ça va marcher. Du coup, il faut acheter des EPR. Moi, je sais pas, moi je les ai achetés. Ouais, je pense que je vais acheter aussi, hein, parce que l'EPR est. Dans le pack, hein, pas celle qui est indépendante. C'est où ? Où c'est hiver ? Boutique de conque, équipement. Équipement. Quel pack ? Bon, après, mecs. C'est toi qui choisis, ouais. C'est vrai que t'es pas obligé de jouer épée. Tu peux jouer à sceptre, archer, bois. Je vais jouer l'épée parce que. Ouais, je sais pas si le bouclier en arme principal, c'est vrai. Ouais, mais le truc, c'est que voilà, en effet, vu que tu peux pas tester avant, du coup, tu prends le risque de prendre ça et puis de passer toute une mission. Être en PLS. J'achète ma classe, je sais pas ce que ça. Où tu vois ce que t'as récupéré. Mais faut que t'as acheté, tu vas dans ton inventaire. Mais alors, moi je reste quand même en puissance 7, hein. Donc pas en puissance 8, et ça c'est impressionnant. Après l'arc, oui, c'est vrai qu'il est nul. Hein. C'est juste qu'il me permet de tirer quand je suis à terre. La seule à terre. D'ailleurs je mets full. Et là, je passe au rang 8. T'as un look d'enfer. T'as vu ça? Il n'y a rien qui va ensemble. Le mec, il met des tongs avec un jean. Une robe de soirée et puis un smoking, voilà. Tongs, smoking. Ah. Et Bob. On va essayer le prix d'un principal. Hein. On va voir. Ah ouais. Attends, on va au boss ou comme tu veux. Si tu veux utiliser un bouclier en arme principale et qu'on va sur le boss, ça va pas trop le faire. Plus de dégâts que mon épée. Hein. Non, mais en vrai, c'est pas des dégâts dans le sens. C'est des dégâts de repousse. Que tu tapes pas avec ton bouclier, tu l'as vu, non? Tu peux pas taper. J'ai jamais essayé. Ah oui, parce que moi je l'ai toujours mis aussi sur LTRT, mais. Je suis pas sûr qu'on puisse. Ah si, quoique, quand on voit les ennemis et les mobs avec le bouclier, ils te tapent dessus avec le bouclier. Donc peut-être, oui. Peut-être que c'est comme Captain America. Hein. Bon, du coup, j'ai mis le boss. Hein. On va essayer. F actualise. J'ai essayé de le mettre sur ma souris aussi, le bouton. J'ai un peu triché, j'ai fait des macros pour ça. Je sais plus comment on accepte. Écoute, prêt. Tu vas avoir un lag. Un lag? Tu vas avoir un input lag avec tes macros. Je sais pas du tout, hein. T'as fait la souris. Je suis une sorte de gamer, là. Oui, mais ça n'empêche pas. Il y a un logiciel derrière. C'est Razer qui le fait automatiquement. Comment on passe? Rise. Ah ouais, baston. Ah non, je pars juste avec le grenade. Bon, déjà, les cristaux, ils partent un peu plus vite. Ah non, je peux pas tirer quand je suis au sol. Il y a vraiment qu'avec l'arc que je peux servir encore à quelque chose quand je suis au sol. J'ai à terre, ça. Et vu que je vais passer ma vie au sol. T'as vu déjà les PV qu'on lui a enlevé déjà? Ça change un peu. Les bons ennemis.
pas eu le temps de lancer son attaque. J'ai tenté. Non, mais safe là. Il s'est réveillé plus vite parce qu'il est passé sous la barre. En attendant le crystal. Ouais, t'étais trop près. Se passe bien. Je vais souffler dans l'attaque, quoi. C'est pas bizarre. Il s'y raconte. Alors c'est bon, il n'y a pas de cristaux sur nous, mais en fait, du coup, je me suis pris le pain quand même d'ailleurs. Oblitérateur, je sais pas ce que ça fait, mais ça a l'air bien. Un certain nombre de dégâts, sûrement. Côté ça nous va, hein. c'est quand il va sur le au milieu, là c'est l'enfer. Ah, c'est moi qui me suis fait toucher maintenant. J'espère que la musique change en fonction du boss. Ouais, il est penché. Tu crois que ça fait plus mal en chargeant du coup? Ouais.
Il aura le temps de rien relancer. Il a rien le temps de faire. Aucun down pour nous. Touche mon niveau 99. Belle niveau 99. La team pure. J'étais au 49. Ah bon, le marteau d'un principal, le bouclier d'un principal, c'est nul. Voilà. C'est validé. Non, c'est nul, c'est nul. C'est la merde. Oui, enfin, c'est confirmé plutôt que c'est nul. Je suis Zenon, capitaine de la garde impériale Dominitinienne. Sentinelle première du nom. Jeune sentinelle, entendez mon avertissement. Seul deux chemins s'offrent à vous. Bon, je suis censé faire la liaison. Vous élevez vers les cieux par de la nature, ture. Ou chutez. À moi. Oh. Ah, c'est pour ça qu'on doit monter. On monte pour éteindre le soleil bleu, pour se débarrasser du coffre de Gédéon, pour nous sauver tout autant que sauver le monde. C'est beau. Oh. Et là, attention, drama. Adieu, Gallagher. Adieu, Gallagher. On te sauvera, Gallagher. On te tuera. Ah, j'en ai peut-être fait un peu trop. On t'a pas vu du combat, petit con. C'est drôle parce que bleu ça veut dire c'est pas bien. Rouge ça veut dire c'est bien. Du coup, violet et rouge, enfin bleu. Alors, qu'est-ce que c'est dégueulasse comme. En termes de design, ça n'a aucun sens. Déjà, c'est l'utiliser les deux mains. Hein. Ah bon, ils ont enfui, c'est pas comme si je le crois après. Hein. まったく。 Et tout d'un coup, tu les imagines faire taper une pause après tout ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai 2046? Je pense que c'est juste à utiliser plus de potions. Je crois que ça va. Oh, une excellence. Attention, est-ce que le coffre violet c'est de la merde en boîte? Tui 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 tui. Des gantelets niveau 1. Ah par contre, l'épée de ouf. L'embrocheuse de crâne. Putain, moi je suis une des cornes violettes. T'as eu des cornes violettes? Et un arc de ouf. Un porc épique. Non, j'ai rien eu. Voilà. Oh. Oh. Ça va, je suis satisfait. Je suis satisfait de l'issue de ce combat. Bon. Gallagher, vous l'avez trouvé? Il s'est transformé, j'ai bien peur que nous ne puissions plus rien pour lui de toute façon. Ah,
Un ziggourat grouille de sentinelles égarées. Il se joindra très probablement à elle et fera un barbecue. Certaines mettent fin à leur jour, donc elles ont encore toute leur tête, mais d'autres viennent. En tant que Galu, comme ce Zenon. En effet, Zenon, bien qu'il fût autrefois un chevalier légendaire. L'histoire dit que Zenon aurait volontairement bu une poisson. Wow, il aurait bu quelque chose, voilà. Ah, même les plus grandes ne sont donc pas à l'abri. Ils ne pourront bien être les prochains. Une boisson empoisonnée. Ben, si vous parvenez au temple du Panthéon avant. Vous manquez encore d'expérience, mais vous avez bien combattu. Il y a sa robe qui passe à travers sa cape, tout va bien. Votre courage mérite d'être récompensé. Moi je suis qu'un amas de pixels. Part de Jupiter, ouvre-toi! Je suis une mosaïque. Quelqu'un nous suit. Qui est-ce? Ta mère. Pardon? Maman? Elle s'inquiète pour moi, c'est normal. La maîtrise du Barto, appuyez sur B pendant que vous chargez une attaque lourde pour lancer un cri de guerre qui attirera l'attention. Ah! Du coup, tu peux appuyer sur B pendant que tu charges. Pour attirer l'attention. Quoi? Bonjour. Où est-ce que tu as vu ça? Voilà les tips de chargement. En fait, c'est là où il y a toutes les infos utiles, le problème c'est que ça dure 5 secondes. Donc, dans le cul. Moi, je vais mettre mes armes trop pétées. Genre, mon embrocheuse de crâne. Consécutif, augmentation des dégâts critiques. Récup progressif de PE. Ennemi tué, soin 2. Mais elle est magistrale. Abusé. Et l'arc surpété. Le porc qui est pris. 3 fois, augmente les chances de critique. Ah bah voilà, faut que tu parles avec l'attaque fantôme, augmente les siphons de tous les membres du groupe. Pendant la garde, tout dégât subi est renvoyé à l'ennemi. Pendant la garde, augmente les dégâts des coups critiques. What the fuck? J'ai tellement de trucs de garde. Tout ça, c'est peut-être en fonction de ton job. Ouais, sûrement. C'est la même bloc. Hein, Pygmalion, je peux te rendre tes épées nulles? J'en ai obtenu une bien. Ah, quel dommage pour Gallagher, même s'il était assez particulier. Je commençais à l'apprécier. Ah, cette foutue vermine. Je l'ai à peine utilisé ton épée, elle est un peu ébréchée. Allez, je te la rends. Tu me la rachètes moitié prix. Pourquoi tu veux, hein? Arc composite. Je vends, attends, je vends mes trucs. Moi, je vends rien. Je meurs. On va en avoir plein après, pas tout le monde d'un coup. Garder un bouclier, on sait jamais si dans une mission il faut jouer 100% bouclier. Ah, mais c'est ma baguette magique, il faut de la récup, je crois. Ta baguette magique. Tuer un ennemi, restaure instantanément une partie des PO. Pas ça, non.
voir si j'ai pas des quêtes quotidiennes ou hebdomadaires à valider. Bonjour Sophia. Encore toi, ô plus grande dame de l'Empire, l'enceinte des rebuts est quasiment hors de contrôle. Ah, ils sont ceux qui respectent la loi. Essaye de ne faire qu'un plus de problème que l'enceinte des rebuts en a déjà. Du coup, si on fait la partie éclair, on obtient du coup des conques 5400 PS, des une mosaïque dégueulasse et on sait pas quoi dégueulasse. Ouais. Parce que le truc de multi quoi, c'est un exceptionnel. Ok, 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 on va pas, on va pas. Bah, je sais pas. C'est que le truc de multi. Bon, en tout cas, voilà, c'était bon pour l'acte 1. Nous passons tout de suite à l'acte 2. Bonjour. Bonjour.